la délivrance. Chacun de vous. Empêchez de jouir de quelque chose. Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. Ce matin, nous voulons t'élever à ces lieux pour te dire que tu es digne. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Oh, sur la terre, même là au ciel, même en dessous de la terre, il n'y a pas de Dieu qui est comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui sait bénir comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui sait donner comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui sait élever comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui guérit comme toi. C'est pourquoi ce matin en ces lieux, nous poussons des cris de joie. Nous, avec des sifflets, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci. Bonjour. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Parce que si vous n'êtes pas venu, on n'allait même pas se tenir debout pour parler de la part de Dieu. Et pour cela aussi, nous disons merci à papa pour cette grande année, l'année du jubilé. Et aussi pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin de pouvoir parler au peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour vous-même d'abord? Alléluia. En tout cas, j'estime que les thèmes que nous avons, c'est les thèmes du moment. Quand je vois, ça c'est moi, par rapport à moi-même, parce que par moment on s'aimait, on regarde les événements, on analyse les temps, et on comprend que c'est le temps du jubilé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je peux demander qui peut se rappeler encore notre texte de base, parce que la fois passée on nous a dit il faut même réciter, donc ça doit être quelque chose que nous devons retenir par cœur. Je voulais un peu demander qui peut nous rappeler notre thème de base, les versets magiques pour cette année. Qui peut les plaire? Vous ne connaissez pas? Lévitique 25, 13. Et pour cela, nous allons quand même lire, parce que à force de lire, d'écouter, ça entre. Lévitique 25, 13. Je vais demander à maman ou soit à une autre personne de nous lire ça. Puis nous allons entrer dans notre message. Chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Dans ma version, c'est mieux. On dit chacun de vous retournera dans sa possession et il retournera dans sa maison. J'aime beaucoup comment on le dit ici. Donc, on est en train de nous parler. Les mots clés là-bas, ce qui va me permettre de donner mon message de ce matin, c'est retourner. Et je crois que là, papa a beaucoup expliqué, on a beaucoup explicité, parce qu'on nous a expliqué qu'à l'époque, pendant l'année là de la célébration du jubilé, tout le monde qui était parti, tout le monde qui travaillait ailleurs, et en ce temps-là, chacun devait retourner dans sa maison, chacun devait retourner dans sa famille. Alléluia. Moi, les mots qui m'intéressent, c'est retour, retourner.
C'est-à-dire, nous devons rentrer. Et ce matin, je voulais parler sur les retours. Nous sommes déjà dans la maison, nous retournons chez nous. Mais moi, je vais parler sur les retours de tout un chacun de nous dans sa destinée. Alléluia. Ou pour bien expliquer cela, moi je vais parler du retour. Chacun de nous doit retourner à son identité. Alléluia. Chacun de nous, je vais parler sur le thème que chacun de nous dans cette année du jubilé doit rentrer à son identité que le diable a volée ou soit qu'il a flouée. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tout un chacun de nous est unique. Et il a une identité. Et j'estime que c'est quelque chose de très important, que cette notion-là que nous devons saisir ce matin. Parce que quand je rentre dans la Bible, je vois que c'est un combat qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous allez voir que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a placé l'homme dans les jardins avec la femme, le diable est allé là-bas. Le diable a semé les doutes. Le diable a mis quelque chose et il avait réussi ce combat-là parce qu'il avait permis à l'homme de perdre la position qu'il avait par rapport à la création. Et gloire soit rendue à notre Dieu, Christ est venu, parce qu'avant Christ, il y avait beaucoup de gens qui sont passés. Mais à fin de compte, Christ a réussi à mourir, à se donner en rançon pour que l'homme reprenne l'identité depuis la création. Et c'est le même combat que nous avons, bien aimé, parce que j'estime que c'est très important. Parce que si quelqu'un ne connaît pas son identité, si quelqu'un ne se connaît pas, ça sera très difficile pour lui de faire quelque chose. Quelqu'un peut penser qu'il a déjà réussi, il a déjà fait mieux. Alors que si nous regardons par rapport à ce que Dieu avait préparé pour toi, tu n'as encore rien fait. Ou soit, quelqu'un peut croire qu'il est en train de marcher alors qu'il est en train de passer à côté de sa destinée parce qu'il ne connaît pas son identité. Alléluia. Donc, l'identité est très importante. Et moi, j'estime que dans cette année de jubilé, bien-aimé, chacun de nous doit récupérer, chacun de nous doit rentrer à l'identité, chacun de nous doit, bien-aimé, vivre ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Et l'identité, vous savez, l'identité, c'est quoi? L'identité. Et à côté de cela, nous tous ici, nous avons des cartes qu'on appelle cartes de lecteur. En fait, c'est nos cartes d'identité. Et quand vous prenez cette carte-là, vous allez voir que généralement, on nous prend la photo. Il y a la photo pour dire que c'est elle qui est différente avec l'autre personne. Et à côté de ça, on écrit les noms. On écrit ton nom, toi ton nom, même si tu as eu le nom de ton père, mais on va mettre ton nom plus le nom de ton père, et puis on va écrire le nom de ta mère, et puis on va écrire les jours où tu es né pour dire que tu es unique. Et j'aimerais, bien aimé, vous dire que l'identité, ça nous permet de nous différencier avec exactitude. Pas avec confusion, c'est-à-dire on enlève la confusion pour dire que celui-ci c'est tel, celui-ci c'est tel. Donc l'identité nous permet de nous distinguer avec les autres personnes. Pour dire que toi tu es toi et lui il est lui. Alléluia. Alléluia. Même si vous êtes des jumeaux, même si vous êtes nés le même jour, même si vous avez des traits de ressemblance, mais on va dire que lui c'est lui et toi c'est toi. Et d'ailleurs, nous tous ici, nous sommes venus de quelque part. Donc il y a eu des personnes qui se sont mis ensemble pour que toi et moi nous puissions exister. Et ces deux personnes-là,
C'est-à-dire, chacun de nous ici hérite quelque chose de son père et une autre chose de sa mère. C'est-à-dire, tu n'es pas ton père et tu n'es pas ta mère. Toi, tu es toi. Mais en toi là-bas, tu as quand même hérité quelque chose qui est venu de ton père et quelque chose qui est venu de ta mère. Et toi, tu es aussi unique. Alléluia. Et en toi là, on peut encore trouver des choses qui ne sont ni dans ton père, ni dans ta mère. Pour dire que tu es seul, tu es unique. Alléluia. Et, bien aimé, d'entrée de jeu, premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois prendre le temps. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, même dans notre pays, nous avons ces problèmes-là de crise d'identité. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Nous, d'ailleurs, pour la plupart, pour la majorité, notre vie est faite par rapport à la vie des autres. Alléluia. Alléluia. Nous vivons par rapport à la vie des autres. Il y a des gens ici. Aujourd'hui, il est pasteur. Aujourd'hui, il est peut-être évangéliste. Aujourd'hui, il est médecin. Pas par rapport à ce que Dieu avait prévu pour lui, mais c'est par rapport à ce qu'il a vu. Alléluia. Alléluia. C'est par rapport à ce qu'il a vu. Et les gens là qui font ça, vous savez, maintenant le problème c'est quoi? Quand on ne découvre pas, je vais identifier trois problèmes, ce qui va arriver. Il y aura trois problèmes qui vont nous arriver. Si nous n'identifions pas notre identité, nous allons connaître trois difficultés. Premièrement, cela ne va pas nous permettre d'être efficaces dans la vie. Alléluia. Alléluia. Et j'ai découvert que beaucoup de gens ne sont pas efficaces dans leur domaine, dans ce qu'ils font, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas encore découvert ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas efficaces. Alléluia. Et deuxièmement, tu ne vas pas... Beaucoup de gens n'excellent pas dans les domaines parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est dans ces domaines-là qu'ils doivent évoluer. Et cet exercice-là doit d'abord pousser quelqu'un à revenir en lui, à examiner un peu, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons l'environnement. Tout ce que nous voyons, la télé, parce que nous sommes dans les mondes de l'information, les mondes de la vitesse. Nous voyons tout ce qui se passe ailleurs avec nos télés que nous sommes en train de voir. Vous savez, il y a d'autres choses, bien, c'est bien nous voyons, mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, si on ne fait pas attention, cela va influencer d'une manière notre vie. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois prendre le temps. Parce que tel que tu es là, j'aimerais dire que chacun de nous est unique et chacun de nous est particulier devant Dieu. Ce que moi je peux faire, peut-être toi tu ne peux pas le faire. Alléluia. Alléluia. Ce que toi tu peux faire, ce n'est pas ce que moi je vais faire. Peut-être ce qui est en toi, ce n'est pas ce qui est en moi. Et chacun de nous doit découvrir les potentiels, l'énergie, la capacité que Dieu a mis en lui. Bien aimé, si tu découvres, cela va te permettre d'exceller dans ton domaine et cela va te permettre d'être efficace. Et cela même va t'aider de faire aussi la volonté de Dieu. Oui, parce que
Ce n'est pas nous tous, ce n'est pas tout le monde qui va devenir pasteur. Nous sommes un corps bien-aimé. Au milieu de nous, il y a des gens qui seront des pasteurs, il y a des gens qui seront des évangélistes. Mais il y a d'autres, peut-être toi tu seras écrivain. Il y a d'autres, bien-aimés, qui seront des génies, des penseurs. Il y a d'autres qui vont entrer dans la politique. Oui, nous avons besoin déjà. Tu dois découvrir, bien-aimé. Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Et si tu exploites ça, cela va te permettre d'exceller. Cela va permettre aux gens dans l'église d'exceller, chacun dans son domaine. Et cela va nous rendre forts. Cela va nous rendre l'église fort. Cela va te rendre fort. Alléluia. Donc le problème que nous avons, c'est le problème d'identité, d'une crise d'identité. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que qui suis-je d'abord? Parce que si je me pose cette question, cela va me pousser. Parce que si je découvre ce que je suis, deuxièmement, je vais savoir pourquoi j'existe. Pourquoi on m'a mis au monde? Pourquoi je vis? Alléluia. Ici chez nous, ce n'est pas le cas. Muntu moya. Dieu arrive à mambo ya kwenda ku Dubai. Alléluia. Leo bantu bote. Na bale ba kwa ba médecin. Anacha bu médecine, anaza kwenda ku Dubai. Ma boutique na kona mu manyumba. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Peut-être nier. Dieu n'a pas choisi d'aller à Dubaï. Toi, tu peux faire autre chose, bien-aimé. Pourquoi j'ai dit nous devons entrer en nous-mêmes? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des spéciales. Il y a des gens ici, comme on a taille à Muntu ou à Mouville, il va te dire avec tous les détails comment il connaît. Il connaît même les noms de ses enfants. Il connaît là où il travaille. Il connaît les problèmes qu'il a eu en 2012, en 2013. Il connaît tout. Il prend du temps à s'occuper des autres. Il prend beaucoup du temps à savoir tel a fait quoi, tel a fait quoi, tel a fait quoi. Mais il prend moins de temps pour lui-même. C'est ça la base, bien-aimé, de notre échec. Alléluia. Tu dois te connaître. Vous savez, quand je me pose la question, qui suis-je? Deuxièmement, mitasema, bon, pourquoi j'existe? Et troisièmement, je vais dire, je dois chercher à savoir. Vous savez, bien-aimés, tels que nous sommes ici, chacun de nous, il y a un point fort, il y a un domaine là où tu es fort, ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Parce que tu regardes seulement les autres. Bien-aimé, si tu comprends ça, et si tu t'engages, je te dis que cette année du jubilé, tu seras une autre personne. Cette année du jubilé, ta vie va changer. Alléluia. Alléluia. Tu seras fort. Vous savez, il est monde. Monde, il est tout présenté d'une certaine manière que quand on fait attention, bien-aimé, tu vas passer à côté. Il y a dessiné à quoi. Tu vas passer à côté. Et chaque fois, j'aime beaucoup notre papa. Chaque fois, on nous dit, bien-aimé, le monde d'aujourd'hui, tout besoin n'a pas spécialiste. On n'a plus besoin de généralistes. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise mon domaine, quelqu'un qui connaît. Mais si ba congolais tu n'as pas bioté, or muntu na yo biota sta weza kaste ndaka kumbele. Bien aimé, tu dois connaître, tu dois avoir un domaine là où tu es fort. Quand toi tu t'élèves, si bo de ton etika c'est ah ah ou yana yo. Alléluia. Alléluia. C'est un exercice à faire, bien aimé. C'est un exercice. J'aimerais te dire une chose. Vous savez ce que tu vois là chez les autres. Peut-être que tu envies les autres. Tu aimes ce que les autres sont en train de faire.
Mais c'est, j'aimerais te dire que en toi là, où le monde tourne en vie, où le monde a ses couilles, mais en toi là, il y a quelque chose. Si tu découvres, lui aussi va venir s'étonner de ce que toi aussi tu es capable de faire et de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Il viendra s'étonner. Vous savez, nous marchons. Léo, tu as dit ma étiquette. Beaucoup de gens, chez Tania Chakoubeba, vous savez, quand on fait le marketing, je ne pas produit moi, je commence à faire la publicité. D'ailleurs, ma produit à Mingi, quand il y a des produits éclaircissants, on met Bachakouka label, c'est-à-dire on donne un nom, par exemple, Claire, tout ça, on fait passer la publicité. Vous savez, tout ce qu'on fait là, c'est ça, c'est il y a l'image, il est image, tout le monde, image, il est la publicité, na koukou image réelle. Mais vous allez voir que mon publicité, bile biote ban étonné, chaque année bien bon. Alléluia. Alléluia. Ni bien bon. Parce qu'en avant tout beau, t'es capable d'utiliser, pas les mêmes résultats. Même les résultats là qu'on nous donne, peut-être barifanya pas avant tout sang, il n'a ouais ça pas monte tout moya. Barabé bolé monte tout moya, banan ça comme filmer ben émionesha. Mais barabé beau t'es bas sang barichine à bas. On vous donne une autre image. Il y a les produits. Alors en réalité, on vous attire, vous allez vous acheter. Mais quand vous essayez, aïta donné les résultats, mouron a coûté les. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens. Tout ça, on peut pas ma étiquette. Mais en réalité, bien aimé, ce n'est pas ce qui est en nous là-bas. Peut-être par la vie, par les circonstances, par tout ce qui est en train de se passer. Peut-être tu vis ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peut-être il y a un résultat que tu es en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais te dire qu'il est résultat, n'y a bien bongo, n'y a bien bongo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous continuons. Nous allons aller dans la Bible. On va nous lire. Je vais demander au même lecteur. Matthieu 16, 13, même à 16. Vous allez vous arrêter là-bas. Alléluia. Reprenez encore. Reprenez, comme ça nous allons lire ensemble. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, il demanda à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, le fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent? Jésus répondit, il y a des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui disent que toi tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, il y a les autres qui disent que tu es Jérémie. Il y a d'autres aussi qui disent que tu es, qui disent que tu es l'un des prophètes. Maintenant Jésus leur pose la question. Ces gens-là qui étaient avec lui, qui ont vu le miracle, qui ont vu tout ce que Jésus était en train de faire. Jésus leur pose en eux aussi. Après avoir écouté la vie des autres, des gens de l'extérieur, Jésus pose aux gens qui l'accompagnaient, aux gens qui étaient avec lui, que maintenant vous, que dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? Simon répondit. Attends d'abord. C'est-à-dire, moi, ça c'est selon moi. Parce qu'on a dit Simon. Parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient au nombre de 12. Moi, là où peut-être la Bible n'a pas parlé, là moi c'est moi qui ajoute. Peut-être parmi eux, il y a des gens qui ont dit quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui ont parlé sur Jésus. Les gens qui étaient avec Jésus. Mais la Bible nous dit, mais Simon. Simon donc c'est lui qui a parlé à la fin. Là c'est selon moi. Continuez. Jésus maintenant reprend la parole. Pourquoi il a repris la parole? Un instant. Pourquoi il a repris? Parce qu'il a, il reprend la parole. Ok, il dit. Fils de Jonas.
Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les ciels qui t'a révélé cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je prends ces passages, je les divise en trois. Il y a d'abord une première dimension de ce que les gens disent de toi. Parce que chacun de nous vit dans un environnement, il vit dans un endroit, il vit quelque part, il travaille quelque part. Et il y a toujours des gens qui ont à dire. Parce que les gens ont la bouche, ils parleront toujours et on ne peut pas les empêcher de parler. Donc ils diront toujours. J'aimerais te dire qu'il y a des gens qui parlent tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui parlent sur toi, qui disent quelque chose sur toi. Et on ne peut pas les empêcher. Maintenant, pour beaucoup de gens, ce que les gens disent, ce que les gens parlent d'eux, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui commence à déterminer leur vie. Ils commencent à vivre par rapport à ce que les gens disent. Et tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à ce que son environnement et les gens sont en train de parler. Et on se rend compte que Viyake, Maïshayake, il n'a quoi conduit par Ebale Bantu. Alléluia. Kama Bantu manase maivi, munamona nae, anafanya iki. Tout ce qu'il fait là, c'est pour répondre à ce que les gens sont en train de parler de lui. Là, tu as tapé à côté. Alléluia. Alléluia. Tu as tapé à côté. Bien-aimé, là, j'ouvre une petite parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux faire quelque chose, si tu sens faire quelque chose, fais-le. Tu sens que non, moi je dois m'engager avec cette sœur. Je sais que même ici au niveau de l'église, il y a des gens qui vont parler. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront pas contents de cette sœur-là. Qui viendront te glisser quelque chose. Mais si toi tu sens vraiment que non, mien n'y a pas, fais-le. Ces mêmes gens-là qui ont parlé, ils vont encore parler. Je ferme la parenthèse. C'est lui qui a les oreilles qui l'écoute. Alléluia. Donc les gens parleront toujours. Et qu'il ne faut pas qu'il est bantu mais qu'on a ses mains. Bien aimé, que cela influence destinée. Voilà, il y a un impact dans l'identité, pas l'identité. Et il y a beaucoup de gens qui parlent même en mal contre eux. Et qu'on a omba na mouma omba na mambia mungu. Non, pourquoi tu m'as créé comme ça? Les autres là, Ivi. Bien aimé. Si mungu arkumba vile uko. Mungu na yo, pourquoi arkumba vile uko? Le problème, parce que tu ne te connais pas encore. Tu n'as pas encore découvert les trésors, les talents, les dons, l'énergie, la source et les choses que Dieu a mis en toi. Bien aimé, tel que tu es là. Il y a des choses, bien-aimés. Il y a des trésors. Il y a des richesses qui sont en toi. Le problème, ni ouais, ah oui, à Vumbula, ou il y a 10 jours. Alléluia. Et beaucoup de gens marchent avec il est ma préjugé. Donc, pour lui, c'est déjà fini. C'est déjà la fin. Mr. Fanyaga Tenakintu. Alléluia. Alléluia. Na troisième dimension, c'est ce que Dieu a déjà parlé pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout un chacun de nous, tel que nous sommes assis, Dieu a déjà parlé sur ta vie. Dieu a déjà préparé quelque chose pour ta vie. Dieu a déjà un chemin. Il dit que dans leur cœur, il a déjà mis des chemins tout tracés. C'est-à-dire en toi là-bas, à l'intérieur de toi, dans ton cœur là, Dieu a déjà mis les chemins pour ta réussite. Dieu a déjà mis les chemins pour ton bonheur en toi. Les problèmes parce que toi, tu n'as pas encore découvert. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce que Dieu a déjà dit, personne, aucun homme, aucun sorcier,
Même si Banasema Yenjomuloji Munene Babako, bien-aimé, il ne peut jamais détourner et bloquer les plans de Dieu pour ta vie. Il ne les bloquera jamais. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais prendre quelqu'un, l'amener dans la troisième dimension. Kutosha Komuntu. Bien-aimé, j'aimerais kukwambia, mui yane ya jubilé. Quitte un peu mon niveau ya kwanza. Ya bantu, ya kou déchanger ma parole. Ya kou discuter na bantu. Bien-aimé, on n'est plus dans ces temps-là. Parce que si tu suis les gens, ils vont t'amener dans la distraction. Ils vont te détourner vers ton objectif. Ils vont t'amener ailleurs. Dieu t'attend ici. Toi, tu es encore là-bas en train de discuter. Je vais te dire ceci. Même si on a fait discuter, Nabokou va expliquer. Ils ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas t'écouter. Bien-aimé, écoute la voix de ton cœur. Écoute ce que Dieu a mis en toi. Ne fais pas passer ton temps inutilement. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant cette année de jubilé, lève-toi bien-aimé, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Peut-être tu n'as pas eu l'occasion d'étudier, peut-être avec les parents, avec la situation, avec les circonstances, mais j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas encore la fin. Même si tu ne connais pas les Français, ce n'est pas la fin de la vie. Bien-aimé, regarde en toi, il y a un potentiel, il y a une porte, il y a quelque chose que tu peux faire qui va étonner même les gens là qui ont étudié. Alléluia. Et Dieu, j'ai dit ceci au début, l'homme avait perdu, Dieu a récompensé. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais prévu l'échec de quelqu'un. Alléluia. Dieu n'a jamais prévu. Dieu n'a jamais prévu. Maintenant, le problème, c'est toi. Alléluia. Le problème, c'est toi. Enlève l'étiquette, les noms, les surnoms. Il y a des gens ici, à cause d'une situation, à cause d'une vie, il y a même un nom qu'on t'a déjà donné. Peut-être tu le sais déjà, peut-être sans le savoir. Quand tu passes là, Banataya, Kamani Nani, Jonas, Kumuingine, Anapita Manamtaya, non, le président de célibat, Kumuingine, peut-être Banataya, tout, président, Benakuita président, Kumbi Kumukonga président, Kukunjina Ingine. Mais bien aimé, ça ce n'est que l'étiquette des gens. Mais il y a quelque chose que Dieu a déjà mis en toi. Bien aimé, si tu comprends ça ce matin, cela va amener de la valeur ajoutée. Cela va valoriser ta vie. Alléluia. Cela va valoriser ta vie, bien aimé. Vous savez pourquoi Mungu anenda nasema asubuhi ya leo mimi napenda bien aimé tombeko. Mungu afanye mapenzi yake hii mwaka. Mungu afungule ma destinée à Bantu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont des talents. Il y a des gens qui ont des dons ici à l'église. Surtout nous les Africains. Bien-aimés. Tu n'as quoi va kumuisho chaud. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons seulement copier. Bah, plagier. Plagiat. Kwanzia ku masomo, ku primaire, on a fini à l'université, travail à fin d'études, on a changé tout manjin. Donc, tout ça kuingia. Donc, quelqu'un ne peut pas réfléchir. Quelqu'un ne peut pas aller. Je vous dis, bien-aimé, le monde appartient aux gens, balebe konenda au-delà de ma limite. Je vous dis, balebe antoube qu'on appelle pas risque. Qui voient au-delà. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons, il ne faut pas qu'on copie. Non, bien-aimé. Tu peux faire aussi quelque chose qui va nous étonner. On n'est qu'à la tournée en grâce. Non, non, moi je peux faire ça. Alléluia. Ni si beauté,
on a pas ta diplôme. Si beauté faux, tu n'es pas université, mini fanye médecine, mini fanye économie. Depuis bantu bana fanye ma économie banaïcha 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 banaïcha. Akuna kintu. Alléluia. Mais bazungu bani tupita. Vous savez, sur le sema koutele koule tourno na bintu bingine, mais bintu bingine bine tufundish. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la télé. Mais non, quand on appelait ça, c'était à l'école de nage, à l'école de musique. Ah! Nage! Mais non, quand on appelait ça, on a nagé à partir de 5 ans. On a fait 16 ans, on a fait champion du monde. Ou 100 mètres à Moumaï. Et on a pas makuta, il est makuta, quand on a fait ça, on a fait ça à 20 ans. On est riche. Ou les mototo à 18 ans. Alléluia. Non, je vous dis vrai, bien-aimé. Kubazazi bengina peko na ngaika, batoto utabaripia masomo, banenda na ku université, basha baka ku kuikaria. Parce qu'on a déjà mis ça dans la tête. Na ile isha kubakia, bien-aimé, ça nous bloque. Regardez aujourd'hui la notre vie. Bien sûr, il y a la part aussi de l'état du gouvernement, mais aussi c'est nous. Alléluia. J'ai dit, Dieu a mis en nous. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. Vous savez, l'échec et la réussite de ta vie se trouvent en toi. Ça se trouve en toi. Alléluia. Si vous avez mercredi, mardi, na mercredi, vendredi, na samedi, na dimanche. Je vais vous donner ma télé, Mungu anakuwa magicien. Ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Alléluia. Nous avons des riches. Il est passage comme Bible. Asema, bantu ba lebeko ba riche, mais beko na tembe ba pauvre. C'est comme Bible. Riches que nous sommes, mais tout la tembe sa ba machikine. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les vendredis, bah les barbares aux prières. Bien aimé. Richesse, il n'a pas qu'à spirituel. Le papa a parlé la fois passée, il a mercredi, il a parlé que les ciels, tout le monde est en papa Duni. Ou on a chunga coulé comme à papa Duni, un bel on a chinda. On a osé sauter en kumbingo. Aoutenda. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose, bien aimé. Vous savez, au moins, il y a intemporalité. Moi, il y a jubilé plutôt. Moi, il y a jubilé. Chacun de nous, tu dois découvrir ce que Dieu a mis en toi. Il y a des points forts que Dieu a mis en toi. Il y a des domaines, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Bien, mais si tu comprends, je vous dis que parce que tu fais que fin de l'année, ta vie ne va pas rester la même. Il y aura quelque chose qui va arriver dans ta vie, bien-aimé. Dieu va changer destinée et tout. Mina penda ko Mungu a changé identité yako, bien-aimé. Ou la mukeko, ou quoi comme muntu mwingine. Ou fanye ko bintu bingine. Les choses qui vont étonner, même tes parents. Koukou bantu apa, aya chitu shaka, taba, mbele kou nabazazi, yaba ya chitu kaka. Awe fanya ka kintu, non! Alléluia. Ah ouais, fanyaka kintu. Et on n'a pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il est membre de ma spécialiste. Kama mimi na sema mini anglais. Donc, mine de spécialisé mon anglais. Kama mina shima papa mina zosema mon anglais. Na ma mot difficile. Wa, belle, moi, bote mon apote. Là, je vais dire que j'ai fait quelque chose. Ouais, mon yon mon anglais. Anglais, oui, oui. Français kusema bikungu na swahili yenyewe unaona una bon finalement tu fais quoi? Oui,
fille, bien-aimé. Toute chose, ce n'est pas seulement Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas seulement Mungu, ni weye, ni weye. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il faut que Kanisa ait tout yané kwe ngufu. Migu benjo na kushonesha, je sais qu'à l'église, kuku spécialiste, maman moi kama na mupa, niki mupe in coach, a te fwanye na toka, toka hivi, ina shangai shabantu, abanako. Alléluia. Tunayua sema, non, non, blanchisserie. Non, 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 tende kwa maman, maman Lorraine, koule déjà. Vous savez, si nous faisons ça à l'église, Dieu va bénir notre église sur le plan financier. Je vous dis. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Regarde en toi. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des. Na mwe bazazi. Kama unashikia mtoto anakuambia, mimi nashikia kufanya hivi. Tu unamwankurajia kuna msutenir. We ikala kule wewe utafanya nini bumbafu ikala kule. Alléluia. Alléluia. Oui. Non, bien-aimé. Il faut, hein. Il y a année, Mungu a changé comme Aïcha et tout. Mungu a changé comme Aïcha et Ako a changé. Alléluia. Mungu a changé. Ah, on n'a pas qu'un Ndumba. Non. Alléluia. Oui, Mungu anezi paka wewe ule banasema ka ndumba. Unapita huku. Sima mingi tulibaona anabeba tu decision. Hein? Mine dichunga kama ni njala ni kufwe. Mie Mungu mitezi kufanya taiki. Bien aimé, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Oui. Regardez notre nation. Regardez. Copiste, na constitution yenye ya benye, iko ni tu compliqué. Donc si biote ni kukopier, ni kubeba, tunabeba bia huku, tunachanga, tunafika bina kwa ma confusion, ou yana tosha hii. Donc, bintu biote. Pourquoi? Parce que atuna na particularité, atuna na yetu spécialité congolaise. Ainako, ainako. Ainako. Alléluia. Alléluia. Naibi bintu baso te kiava ma Google. Bantu ba waza keten ni kuvinya to paka. Anekala tu biote bana mupa. Il ne fournit aucun effort. Non, bien-aimé, réfléchis. Vous savez? Kuku ta moya. Il est chiku moi, il est vendredi tu quoi mon prière. Parce qu'on a sema non non, kuta ingine, mishi na besoin na komba, mine kala tu miuna waza. J'ai réfléchi. Mina beba tout sujet, moi par exemple, ma vie. Mina angara sema bon. Mina kwa mou bread, mou 2003. Lo mina fika mou 2021. Mou année. Bon. Ma ishangwi kouje. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux aller même au-delà, même dans ta vie, même dans ta maison, même avec ta femme. Alléluia. Là aussi, c'est un autre problème. Tu regardes seulement Bibi wa Mwingine. Non, 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 la voix, la vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. On a balé au nonaka, on est bon à Nimbari. Peut-être que l'on a eu un négligé. Mais, quand on a eu tant, il y a Kwingian. Tout le monde, maman, il y a un débat, la femme, c'est une mine d'or. Bon, je ferme la parenthèse. Tu prends le temps, tu vas découvrir que même dans ta femme, il y a des choses. C'est un trésor. Parce que c'est toi qui ne sais pas voir et exploiter. Peut-être que tu ne vas pas trouver moi baleronenda kukwangaika. Alléluia. On ne prend pas le temps. Donc, tu veux tout connaître dans la paka. Oh, oh, va. Donc, tout ça va qui a paka. Va, va, makelele, makelele, banenda ku gauche, chibote. Oh, bo, tunenda ku gauche. Oh, oh, concertation, chibote, tunenge. Oh, bo, tu coupes ma internet. Et ça nous amène dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Et en même temps, l'État est en train de passer. Et tu vas te retrouver
Aujourd'hui, si vous avez un peu si vous avez un peu jeune, vous avez un peu de temps. Mais quand vous avez un peu de temps, vous maman, tu es kunenda na we utenda ukunenda paka vile kunenda ukunenda et le temps est en train de passer, nous sommes en train de passer à côté de notre destinée alors que nous sommes un peuple béni par Dieu, nous sommes une église de promesses, nous sommes les enfants du Très-Haut, celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartient, tout lui appartient. Nous avons un Dieu bien-aimé qui n'est pas pauvre, un Dieu qui est riche. Mais regardez-nous, ces enfants, la qualité de vie que nous sommes en train de mener. Regardez la manière dont nous sommes en train de marcher. Bien-aimé, le problème, c'est toi. J'aimerais ce matin voir quelqu'un qui va s'élever. Quelqu'un qui va comprendre que non, non, non. Ici, je suis en train de faire passer mon temps inutilement. Je sens que Dieu veut que je fasse ça. Je sens que Dieu me pousse à faire le commerce. Je sens que Dieu me pousse à voyager. Bien-aimé, réfléchis. Et si nous faisons cela, je vous dis qu'il y a né des gens vont défiler ici pour témoigner, pour montrer, pour présenter les résultats de ce que Dieu va faire dans leur vie. Alléluia. Chie. Tout ce qui a pas ma critique. Oui, on a fanya, yé na yé. Ah ah. Fanya na weye, umwache. Afanya ni mambo yake na minya ngare, minta fanya nini. Ye kama ni mumaubiri. Ok, tumika na weye mumaubiri. Mimi na ngarasa, ifasha na yangu, Mungu ashikunite kukubiri. Mi Mungu arinita, ninge tupa marishe muze hapa. Ha? Nitafute tu nyanzi. Aleluya. Nyanzi. No, Dio bibia kwa se, bantu watanza kona usha kushimama. Il faut ni shimame. Il faut commencer quelque part. Shiba Christ, mais que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Dimanche, Dieu m'a piqué quand coach, mais lundi, kilote, attaque kilote, bigou palé. Chofa, 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 chofa. Bigou n'engi, papa, papa, mina baloula. Oui, bien aimé. Mercredi, mina kwa mina pika en coach. Au teni reconnaître, mina pika na calinette. Au teni na sanyulo apa. Ataka mon enyona mina fanin. Bo, mina fanin. Kizuri mina pata yangu mina kama mfuko. Mina fanin. Alléluia. Shibote afani kwe grand commerçant mu ville Nzangul. Der u Nzangul, aranza usha mu soko. Bale bana muyo afa, aranza usha mu Kenya. Alléluia. Si tu n'as pas de mal à m'amener à toquer là, Zangula, bam bam, Joe on a tembé, ben tu vas connaître, Mungu a te délivré, il est une pauvreté, il connaît tous les indices. Alléluia, alléluia, il y a né, il y a jubilé, mais n'a pas de Mungu a changé comme Aisha Yango, bin tu vas changer bien aimé. Identité Yango a changé, qui les bantu, je vous dis hein. Mais la peine connaît ça. Qu'il est kiote bantu banakuyua. Manjina yote le bacha kukupachi. Banakuyua bia bongo. Alléluia. Vraie identité yako, Mungu jane yu. Nani Mungu jane kona ite terminé. Et Dieu connaît chacun de nous. Alléluia. Oui. Oui. Des gens, nous sommes bantu mama bangufu. Mais en garé à vivre, tout le monde est comme ça, boulé. Muntu moi, et on est comme ça, boulé. Bara chamboula, ça, machikini. Non, il est ni bantu njoma na sema, Mungu a chisema ko machikini. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Nani, identité à muntu, hein. Mungu anaifanyaka pa par rapport ya maptitude na capacité ya ule muntu. Bashikulande. Alléluia. Ça ne dépend pas ya maptitude na ma capacité. Il va dépendre na Mungu. Tu dois comprendre ça. Peut-être, mishina na nguvu ya mwili. Mais minezu kwa na kiri sana. Alléluia. Oui. Peut-être.
déterminer ce qu'on tout là d'ailleurs. Quand on pas à Mais les gens qui ont parti politique, ils ne peuvent pas porter parole. Non, et qu'on a sema. Ils ne peuvent pas dire que les gens qui ont sema, ils ne peuvent pas sema, ils ont séduit les gens. Ils ont exploité seulement ce qu'ils ont. Alléluia. Alléluia. Ils dépendent de les bien-aimés. Ils ont dépendent. Mais ils ont dépendent de muntu. Ils ont dépendent de Mungu. Atakama mufamia no mubaloji ba mingi sana tuneba beba tuneba yasha tunebe kata mukanizo mubanayala woko we mwenyewe vile huko mu mikono ya Mungu na huko mtoto ya Mungu je te dis bien aimé ce que Dieu a mis en toi ça va s'accomplir ce que tu veux faire tu le feras na bataona bananza kushanga me anafanya je parce que mu bien aimé Mungu anasema utafanya. Alléluia. Alléluia. Mungu anasema utafanya. Mungu anasema utafanya. J'encourage ce matin l'église, tout le monde à prendre un temps à réfléchir. À réfléchir. Vous savez, j'ai toujours aimé, il y a Mungu anafanya kanisa comme un corps. Vous savez, ce qui fait la force du corps, c'est les membres du corps. Il y a la main, et vous allez voir que ça se complète. La main ne peut pas dire à la bouche que non, minjo mina kurishaka. Djou kama, kino anakatala kopeleka, na ye kama, mwili yote na kwa touche. Na mukona ta kwa touche, ata shinda ta kulamuka. Alléluia. Donc cette complémentarité, cette union-là que Dieu a créée, c'est-à-dire tout dépend de tout. Nous avons besoin de tout le monde. Donc Kanisa, qui l'a montré comme important? C'est comme ça que Dieu a fait, même toi là-bas, bien-aimé. Chacun a de la valeur pour mettre l'amour. C'est que peut-être toi tu as envie dans l'autre, mais j'aimerais te dire que Dieu a mis quelque chose encore en toi qui dépasse même qui l'on envie. Donc, Mungu, Asha, ana changa, tel que nous sommes ici, hein, nous sommes association moya, ya bantu mama ba ma talent, ba ma don, bantu mama ba ma chik, ba tajiri, bantu beko na ma bintu, donc tel que tu ne kalap, à tout na vile ou na ona. Alléluia, alléluia, à tout na kile bien aimé, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Tu es une flèche dans la main de Dieu. Tu peux faire quelque chose. Il t'étonne à ta famille. Il t'étonne à Bazaziako. Alléluia. Bazaziako bananzo chaque. Ah! Joyvi. Vous savez, il y a même une promesse. Il est mon gouvernement. Il y a un machi batoto. Normalement, Dieu, tu sais, mais tu as réussi. Nous devons faire plus que ce que nos parents ont fait. Alléluia. Alléluia. On doit faire, bien-aimé. Hein? Mais la peine d'exhorter comme un tout-moi. Tu dois découvrir ta force. Chacun de nous ici, il a un point fort. Il a quelque part moulé. Comme un ingiam domeniak, à ta quoi excellent, à ta quoi efficace, à ta réussir, chacun de nous ici. N'entrez pas mungia ya muntu mwingine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par moment, par rapport à la mode, par rapport à Takubiri, bon, bien sûr, on ne refuse pas parce qu'on a toujours un modèle. Un jour, nous tous, nous voudrons, demain, quand je Shimama, je prêche, on reconnaît en moi mon papa. On a dit, non, il prêche comme son papa. Hein? Bingine, on a voix là, on a comme pasteur, on a mandé, bon, tu vas savoir, tu m'as mandé, vous, il n'y a pas de problème. Tu m'as mandé, vous, comment tu m'en coaches, tu fous, bon, tu m'en coaches, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais te dire que Bile Bioto na Fouania, ni yé, oué, yé na oué, ou comme tu m'en guine. Kile kigumwako, ana kile mungare kamwake. Tu dois découvrir ça, bien aimé. Tu peux aussi faire quelque chose. Naye mwenye en angarase, naye kina mushangai shaule muntu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes des particularités dans la diversité.
C'est-à-dire, chacun de nous ici a une particularité. Il a quelque chose de spécial en lui qui entre mille les diversités et qui n'a en à réussir. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Donc, toi aussi, prends le temps de découvrir. Peut-être, oui, ni Maombi. Peut-être, oui, ni Luga. Même Luga, quand on a eu un Luga, apana yeye ingine tunalandaka anaanza kusema hivi unashikia na maungu na tete lugha tu. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui bien-aimé. Prends le temps. Kuku mwingine lwake ni mukuyenga tu, yeye ni construction. Mufwe bintu byote mais kama anaanza kuweka ma brick, mnone iko na nyoloka ana ta besoin na niveau. Ana di développer. Ubu mwetu kama ni bantu wengine wanasema construction à makaja chini banapenda paka kwenda ku université shibale tunalala na njala ba ku université bale beko na yenga shikote be nakura bukari akikuwa tapala na kupikia ka kiosk kasalala na njala. Alléluia. Oui, regardez aujourd'hui, la ville est en pleine expansion, on est en train de construire partout. Les gens là qui font makaja mikono bale dire trouver angara le bale si trouver ma université ni ku trimé mubaya. Je vous dis la vérité. Oui, il faut savoir lire le temps. Je me disais, c'est mon monde, il y a un généraliste, il y a un spécialiste. Je me disais, Dieu qui est papa, il est fondé chaque monde, il y a un spécialiste. Alléluia. Alléluia. Monde, il y a un spécialiste. Nous devons entrer dans les spécialités. Tu te spécialises. Bien sûr, vous êtes dans l'université, on a fondé histoire, géo, il n'y a pas de problème. Mais tu dois être fort dans ton domaine. Tu dois être fort dans un domaine. Comme ni politique. Si maman, Djouke, comme on n'a pas ton roi premier ministre. Si tu as tout l'été, on est touché à 3000 tolls. Ban et tu yenga kanis. Si tu n'as pas bénéficié. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc, oui, il y a né à jubilé. Tout l'amouke. Dis à celui qui est à côté de toi que lève-toi, la mouka. Alléluia. Wangare mbelo kumpembe nyako, mwangarishishe bien. Mwangarishishe. Umuulize sasa unaona nini? Sasa umujibu, mwambie sema kile unaona ana njokio. Kile kisha kufuchama, njoki yenyewe kile kikwamo. Bore zana kati et loko ya makasi zana kati nanga. Il y a quelque chose qui est à moi. Oui. Il y a quelque chose qui est à moi. Alléluia. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est à moi. Peut-être là où qui on est. Moi je suis toujours contre. Parce que on a mis la qui est qui développé. C'est-à-dire, on a bien quoi en gouffre, on a dit, non, on a mouillé, bon, on a juste à ta mouille. Ah, pas à coucher à mouille. Dedans là, il y a quelque chose que Dieu a mis, qu'il est qui t'a saïdi, il est extérieur, qui est en charge. Ça, c'est la faiblesse, ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un temple, c'est un corps saint de Dieu. Ne fais pas ça, c'est la faiblesse. Regarde seulement toi, tu peux faire quelque chose qui va te prendre en charge. Quelque chose qui va bénir ta vie. Quelque chose, bien-aimé, qui va entretenir ta vie. Quelque chose qui va garder ta vie. J'aimerais que dans cette année de jubilé, que chacun de nous s'élève, bien-aimé, pour voir ce que l'identité cachée, ces dons-là cachés, ces talents-là, ce que Dieu a mis en toi, que cela maintenant ressort. Mungu akusaidie par exemple, Mirisema tutaomba, qu'il est qu'il foutcha mandani mwako, qui toque peupe, na ou qui présente l'humanité, que tu présentes au monde, que les gens aussi puissent découvrir. Puisse savoir que naye muko kintu kile Mungu areka mu maisha yake. Il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose. Auna wa mwisho. Peut-être uko wa mwisho ni kumasomo, mais je te dis que mu domaine ingine uko wa kwanza.
Auna wa mwisho. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Fais d'abord ça. Ce matin, nous voulons prier pendant même 5 minutes. Bien-aimé, il est identité qui a été foué. Si je dis ça, il y a un jubilé, Mungu a touché identité. Il est chétani à rebafoué. Il est chétani à refunika. Chétani a chaque fois ma stratégie. Anakweka mwita moya, mumaisha moya, pour te faire voir que angaria, unona, kama unafanya hivi. Donc, muntu anabakia mwileta, non bien-aimé. Mais apenda, utoke sa kipepeo. Tunaona vile kilulu, kama anatoka, anakuwa kipepeo, analuka. Mimi apenda busubu ya leo, muntu mwa toke, uluke, bien-aimé. Que tu prennes de l'envol, que tu prennes de l'élan dans ta vie, que tu réussisses dans ton domaine, bien-aimé. Et c'est ça même la volonté de Dieu. Utoke mwile karkan, utoke mwile kikintu, bien-aimé. Tu peux faire mieux, tu peux réussir. Na Mungu akusaidia asubuhi ya leo, bien-aimé. Ou découvrir qui es-tu réellement. Parce que tu es quelqu'un. Et tu as la chose de Dieu en toi. Tu as beaucoup de choses en toi. Mungu atusaidie.